cet entretien avec Marc Ferraud. Je vous remercie de votre présence, bien sûr. Présenter Marc Ferraud, ça serait bon, un petit peu gageure, parce que Marc Ferraud, il est universellement connu. Hein, c'est un historien de renommée internationale, curieux du monde, curieux de tout, qui vient de sortir un livre chez Talendier, L'aveuglement, après le ressentiment. Donc si vous voulez trouver ce livre, il est au Salon du Livre, aux éditions Talendier. Donc bien sûr, la conférence va porter sur de l'Empire russe à l'Empire soviétique, et avec ses, j'allais dire, ses prolongements poutiniens, si l'on peut dire. Et donc, Marc Ferraud, c'est l'historien, hein, de la Russie, de la Révolution russe. Hein. J'avais le petit bouquin là, emblématique des années 70, peut-être, non ? Oui. Des années 70, mais qui a été réédité. Donc c'est l'historien aussi des guerres coloniales. Hein. Marc Ferraud a une expérience. Oui, je parlerai de la résistance après. Mais Marc Ferraud a été professeur à Oran, hein, pendant 11 ans, je crois. 8. 8 ans, voilà. Et où là, il a enseigné à des jeunes adolescents, soit d'origine maghrébine, soit ou kabyle d'ailleurs, hein, et d'origine pied noir, si on peut dire. Donc de cette expérience, il en a tiré après des livres élargissant le point de vue pratiquement à toutes les colonisations. Et on peut souligner, disons, la constante de Marc Ferraud, c'est rechercher quand même, sans nier les différences, sans nier tout ce que l'histoire peut apporter comme division, la réconciliation, la conciliation. C'est ce qu'il a essayé de faire à Alger avec des futurs historiens algériens dans un mouvement. Hein. C'est ça, hein. À peu près. À peu près, oui. Bon, ça, je vais vite. Hein. D'autre part, Marc Ferraud, il a eu une expérience de guerre combattante pendant la résistance, puisqu'il était dans le maquis du Vercors. Et donc, il est parti, hein, et dans ce maquis, et puis il est revenu ensuite pour se lancer dans des études. Et enfin, je ne vais pas être trop long parce que c'est... Comment présenter ? Enfin, Marc Ferraud, c'est aussi l'homme du cinéma, hein, bien connu par son émission emblématique Histoire parallèle. Bien connu aussi par ses histoires du cinéma. Aussi, tous les enseignants connaissent ou connaissaient les petits films Marc Ferraud qu'il a fait chez Hachette, de 13 minutes, qu'on présentait sur les grands sujets de l'époque. Pratiquement tout est passé. Tous ces films ont eu un succès fou, et maintenant ces films, je crois qu'ils ont été la maison d'édition a arrêté la publication de ces petits films chez Hachette, mais je crois que ça a été repris, enfin on peut les trouver quand même. Et donc j'allais dire aussi, Marc Ferraud, c'est un philosophe philosophe de l'histoire, il n'aimerait peut-être pas cette expression, mais enfin, il réfléchit aussi sur les grandes problématiques de notre temps, et à travers l'histoire, en longue durée. Hein, il ne faut pas oublier que Marc Ferraud a été un élève de Fernand Braudel, qu'il a été et qu'il est directeur d'études à l'école des hautes études, qu'il a été professeur à l'école polytechnique, etc.
qu'il a été aussi à l'origine du petit musée, enfin du petit musée, du musée de Bruxelles sur l'histoire de l'Europe, qu'il intervient aussi dans différentes instances, et je pense pour y avoir siégé au conseil scientifique du musée de la Grande Guerre de Meaux, où il a été très, très utile pour nous indiquer qu'il fallait multiplier les bornes médiatiques avec des petits films. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais laisser la parole à Marc Ferro, après la... Voilà. Mais il fallait quand même dire quelques mots. On ne peut pas parler de Marc Ferro sans faire mention de tout ce passé et de tout ce présent. Donc, comment ça va se dérouler? Eh bien, ça va se dérouler à peu près, mais bon, ça pourra varier, en trois temps. Hein, donc, Marc Ferro va examiner les aspects globaux de l'Empire, ensuite de l'Empire jusqu'à maintenant, si j'ose dire, de la rupture, et puis poser un certain nombre de problèmes à la fin. Donc, ça durera jusqu'à midi et demi. Après, vous pourrez poser vos questions auxquelles il répondra. Et après, si vous voulez qu'il signe le livre, c'est lequel, c'est L'aveuglement. Donc, c'est possible ici ou bien sur le stand, hein, au Salon du Livre, à partir de 15h, de 15 à 16h, aux éditions Talendier. Voilà, je laisse la parole à Marc. Hubert est un vieil ami, hein, depuis... C'est ça? Ça marche? Oui. Non, ça ne marche pas. Si, non, appuie. C'est là? Voilà, laisse. C'est bon, là, c'est maintenant? Bon. Un vieil ami, depuis le premier film que j'ai fait, c'est mon soutien permanent contre vents et marées, et j'en ai eu besoin, puisque au défilé rapide qui vous a dit des objets d'histoire auxquels je me suis intéressé, j'ai toujours eu des problèmes. Vous vous en doutez, problème sur la résistance, après-guerre, problème sur l'Algérie, en pleine guerre, problème sur le choix de l'Union soviétique comme travail, problème sur tout ce que j'ai abordé, le cinéma, n'en parlons pas, et lui, il a toujours été là. Donc c'est mon plus vieil ami intellectuel et mon plus vieil ami tout court. N'y touchez pas. Donc je dois vous parler de l'Empire russe, de l'époque du tsarisme à Enveracan. Et je voudrais commencer, comme il l'a annoncé, par quelques considérations générales. Et je pense que pour les considérations générales, il faut commencer par le bas, c'est-à-dire le roman de la nation, ce que les Russes ont en tête, comment ils voient leur histoire, car ça imprègne aussi les politiques qui suivent, que ce soit celle du tsar, pour la période précédente, que ce soit celle des communistes pour après, et que ce soit celle de Poutine aujourd'hui. Alors d'abord, pour les Russes, leur problème numéro un, c'est qu'ils n'ont pas de frontières. C'est pas l'Oural au milieu qui est une frontière. Ils ont donc une obsession de la défense. C'est une sorte de maladie organique, comme la France a la maladie organique de la crainte de la décadence, au moins depuis 1840-1850, comme l'Allemagne a l'obsession d'un pays encerclé, eux, leur obsession, c'est qu'ils n'ont pas de frontières. Alors, comme ils n'ont pas de frontières, ils élargissent le pays, et d'une certaine façon, comme l'a écrit très joliment Sophie Dulin, ils ont des frontières épaisses. Épaisses, c'est-à-dire que ça va toujours très loin, les frontières, pour se défendre. Pas toujours pour conquérir, souvent pour conquérir. On va y revenir. Alors, dans leur mémoire, il y a d'abord les Tatars. Première invasion. Un siècle et demi, deux siècles. Mettons 1237, 1552, pour ceux qui veulent des dates. Ils en auront d'ailleurs dans le dossier. Et puis,
Après les Tatars, il y a eu les Polonais, qui étaient à Moscou entre 1610 et 1613. Mais au fait, les Tatars, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez lu dans le journal, au fait, depuis quelques années, ce que sont devenus les Tatars aujourd'hui? Est-ce qu'on vous a dit, est-ce qu'on vous a vraiment dit qu'ils ont été les premiers en 1991, lorsque l'URSS a éclaté, que Eltsine a proclamé la souveraineté de la Russie dans l'URSS? La souveraineté de la Russie dans l'URSS, c'est comme si De Gaulle avait proclamé la souveraineté de la France au sein de l'Union française. Vous voyez à peu près ce que ça veut dire. Dès qu'il a proclamé cette souveraineté, Eltsine, chaque nationalité, chaque république s'est envolée. Notamment celle du pourtour. Mais aussi celle du dedans, Kazan. Est-ce que vous saviez, est-ce que vous avez lu dans les journaux qu'à Kazan, dès le premier jour, on a hissé le drapeau vert, blanc et rouge? Et Kazan, ce n'est pas une province lointaine comme la Corse pour la France si elle a envie de s'en aller. Kazan, c'est comme si c'était la Bourgogne, en plein centre du pays. Et que non seulement en 91, on a planté le drapeau vert, blanc et rouge, mais il n'y a pas eu non plus le drapeau russe. Lui, on l'a supprimé. Il a disparu. Que dans les mois qui ont suivi, on a décidé que seule la langue tatare serait autorisée dans les écoles. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose pour l'Ukraine il y a quelques années. Ça n'a pas duré, mais ça a été prononcé. Et la langue tatare, seule langue officielle également. On supprimait le russe. Bref, au cœur de la Russie, vous avez un islamisme qui s'est déclaré, qui n'a pas été loin, mais qui est toujours là. Or, cet islamisme qui ne s'est pas déclaré, on le retrouve aussi tout autour de la Russie. Non pas seulement à l'intérieur de la Fédération russe en Tchétchénie, comme le Tatarstan, mais dans les anciennes républiques extérieures devenues indépendantes. Et certaines ont été islamistes les premières, c'est le Tadjikistan, tout au bout, à l'est. Hein. Et puis d'autres ne le sont pas tellement parce qu'il y a eu des accommodements. On y reviendra. Mais je voulais tout de suite commencer par vous parler de ça parce que le souvenir des Tatars régénéré en 91, avec ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose qui est dans la tête de certains hommes d'État. Je ne vous donne pas les noms, mais vous les connaissez. Mais c'est aussi absent de la tête de beaucoup de nos autres hommes d'État chez nous. Ils ne savent pas tout ça. Ils n'y pensent pas à ça. Ils voient Poutine en Syrie, Poutine en Irak, Poutine là, mais ils ne voient pas Poutine qui a peur des Tatars du Tatarstan et surtout du pourtour. Je vous dis ça en passant. Parce que la Pologne, c'est la même chose. La Pologne est arrivée à Moscou en 1610-1613. Et les Polonais, eux, ont des raisons encore plus évidentes d'avoir une dent contre la Russie, et puis en plus contre le régime soviétique, puisque c'était une nation essentiellement très catholique. Or, les Polonais, que je sache, aujourd'hui, ce n'est pas les plus inactifs dans l'OTAN. Vous lisez les journaux. Ça fait deux. Donc, l'obsession de la défaite, c'est ça que je veux vous dire, l'obsession de l'occupation, l'obsession du retour du passé, voilà une obsession que les Russes ont. Et pas seulement tel homme d'État, celui-ci ou d'autres. C'est tout à fait présent. Et puis il y a eu Napoléon, bien sûr, troisième invasion. Et puis il y a eu les Allemands également, quatrième invasion. Et puis il y a eu aussi l'invasion qu'on craignait, qu'on ne craint plus, mais qui a été très présente, c'est l'invasion démographique chinoise en Sibérie. De fait, il y a eu une époque de l'histoire, au début du siècle, où les Chinois en Sibérie étaient bien plus nombreux que les Russes. Et alors après, il y a eu toute une politique d'expulsion du pur style stalinien, successivement, les Coréens, les Japonais et les Chinois ont été expulsés dans un cadre le plus souvent illégitime du régime stalinien, mais tout autant dans la peur d'une invasion de la Sibérie, soit par les Japonais, et c'était possible, on l'a vu une fois ou deux, soit par les Chinois, mais là, il n'y a jamais eu de volonté ni de projet, quel qu'il soit, soit les Coréens, sur lesquels on reviendra. Donc, je voulais vous ouvrir tout de suite un problème de longue durée, c'est que dans la tête des Russes, comme chez nous, les Anglais ou les Allemands,
il y a toujours une sorte d'ennemi permanent qui monte, qui descend, qui est là, qui n'est pas là. Et c'est ça qui rend compte de certaines pratiques ou de certaines politiques. C'est donc un pays sans frontières et qui a peur. Alors vous me direz, comment il a peur? Mais il est toujours plus grand. Mais oui, il est toujours plus grand parce qu'il a peur. C'est la peur qui anime les Russes qui vont faire des conquêtes. Parce que ce n'est pas la peur qui a animé Napoléon, par exemple. Hein. Ça peut être la peur qui a animé l'Assemblée, la Convention, pour se défendre contre les coalitions, oui. Mais en gros, il y a eu des conquêtes qui étaient des conquêtes pour les conquêtes. Les Russes aussi, le Turkestan, pas seulement le Turkestan, mais l'Asie centrale, mais pas seulement. Écoutez, le premier ennemi dangereux, c'était la Suède. Et la Suède était, au XVIIe, XVIIIe, XIXe, une puissance redoutable. Il n'y a pas que les Russes qui l'ont craint, les Polonais. Il y a un proverbe polonais qui dit « noir comme un Suédois ». Vous connaissez ça? Il n'y a pas de Suédois dans la salle, j'espère. Donc, pour se protéger des Suédois, Pierre le Grand et d'autres ont choisi la solution d'une frontière épaisse. C'est les trois pays baltes. Lettonie, Estonie et Lituanie. Avec ça, ils étaient protégés contre les Suédois. Les Polonais n'ont pas eu la possibilité, mais Gustave Adolphe et autres, ils sont entrés dans ces pays comme du beurre, vous le savez. Bien. Deuxième ennemi, la Perse. L'Empire perse, qui n'est pas encore l'Empire ottoman. Et à ce moment-là, les Géorgiens appellent au secours parce qu'ils sont persécutés dans l'Empire perse, ils sont chrétiens, et l'Empire perse est musulman, et on est à un début de revival musulman au début du 19e. Et c'est en 1810-20, ou à peu près, que les Géorgiens appellent au secours Mère Russie, puisqu'elle est chrétienne, elle aussi, comme eux, les Géorgiens. La seule difficulté, c'est que les Russes promettent de défendre pour toujours les Géorgiens, et que ce pour toujours, ça voulait dire qu'ils ne sont jamais partis. Ils l'ont occupé en 1820 comme protecteur, et ils y sont restés en 1918, 19, 20, comme les Géorgiens le demandaient, mais ils sont devenus, les Géorgiens, les pires rancuniers avec les Polonais vis-à-vis des Russes, pour ces raisons qu'on a vues ou qu'on va voir encore. Et puis, ça a été les Arméniens qui étaient menacés également par l'Iran. Et les Arméniens ont appelé petite mère russe au secours, puisqu'ils sont aussi chrétiens. Et avec les Arméniens, il y a eu un mariage d'amitié, d'amour et de ressentiment. Car vous avez pu remarquer que les Arméniens, qui sont obsédés par le problème de des massacres de 1915, n'ont pas une goutte de reconnaissance pour l'appui que les Russes leur ont donné quand ils ont fait appel à eux en 1825 jusqu'en 1915. On connaît ça, hein, c'est le complexe de Perrichon. Perrichon, il n'aime pas qu'on l'aide trop parce que ça l'humilie. Les Arméniens n'aiment pas trop les Russes parce que ça les humilie. Ensuite, à nouveau, les Ottomans étaient menaçants à l'époque d'avant Atatürk et la suite. Et dès l'époque d'avant Atatürk et la suite, puisque dès les années 70, ils ont conquis le Caucase et l'Asie centrale. Enfin, ce n'est pas tout. Les Russes se sentent menacés même quand ça paraît dérisoire. Par exemple, ils ont occupé toute la Sibérie. J'ai dit occupé, car c'est le terme qui convient, mais ça n'a pas été toujours ni partout une occupation de type colonial. Ça l'est devenu tout de suite, mais ça n'a pas été à l'origine. Un historien anglais a comparé l'expansion russe en Sibérie comme un vol d'oiseaux. C'est des oiseaux qui avancent et qui se posent, et puis ils restent. Et puis d'autres partent et vont plus loin. Et d'autres partent et vont plus loin. C'est pas du tout comme la conquête du Turkestan, du Caucase ou d'autres régions, comme on verra. Non, ça s'est passé comme ça. Et ils ont été jusqu'au bout, puisqu'ils étaient à Yakoutsk avant que les Français soient à Montréal. Ils ont été au Kamchatka, j'ai la date, en 1840 et quelque chose, en 1640 et quelque chose, et après le Kamchatka, ben ils ont été en Alaska pour se protéger. De qui?
Ben, des Anglais, parce que les Anglais étaient au Canada. Et les Anglais et les Russes, pendant les années 1850-1880, vous savez ça, puisqu'on en parle partout ici, ils étaient en conflit. Donc les Russes, ils ne voulaient pas que les Canadiens occupent l'Alaska. Donc ils sont descendus jusqu'à San Francisco. Et puis finalement, ils n'en pouvaient plus, parce que, disent-ils de façon très gracieuse, quand on connaît la suite, ce pays ne peut pas être gouverné. Il est trop grand. Alors ils ont vendu l'Alaska en 1867. Mais ça s'est arrêté là. Donc ce pays est trop grand, on est menacé, il faut toujours l'étendre, parce qu'autrement on est vulnérable, parce qu'il n'y a pas de frontières. L'Angleterre, c'est une île. La France, elle a des frontières naturelles, etc. Eux, rien. Bon. Donc, c'est un vrai problème. Il faut qu'on puisse se défendre. Et ils s'étendent toujours pour se défendre contre ceux qui peuvent de partout, comme nous avons fait la liste déjà, les agresser. C'est trop grand, ça ne peut pas être gouverné. Donc, c'est un pays qui est mal gouverné. Ou pas gouverné. Je ne sais pas. On va voir. Alors, qu'il est grand et mal gouverné, il y en a quand même des signes, n'est-ce pas? C'est que, à son moment de plus grande expansion, c'est-à-dire vers 1930, si vous voulez, par là, avant le Transsibérien, pour aller de Saint-Pétersbourg au Kamchatka, il faut un an et demi à cheval. Oui, parce que c'est à cheval qu'on se déplace. Alors, c'est quand même un pays difficile à gouverner quand il faut un an et demi. Et moi, j'étais à Sverdlovsk, près de Vladivostok, la plus grande. Aidez-moi, vite. Bon. Voilà, Khabarovsk. J'y étais et un jour, j'ai vu un convoi qui passait, une sorte de charrue avec des wagons derrière, tirés par des bœufs. Et qu'est-ce qu'il y avait dessus ? 1, 2, 3, 4 wagons pleins de peaux de renard. Oh. Des peaux de renard, vous vous rendez compte, en 1900, je ne sais plus combien, avant la perestroïka, juste avant. Dans les magasins, il n'y en avait plus une à Moscou, des peaux de renard. Alors je demande au chauffeur, je lui dis, où elles vont ces peaux de renard ? Et il me dit, exporte. Ah bon, je lui dis exporte. Et c'est vous qui exportez ? C'était un péquenou, c'était un moujik qui conduisait ce convoi. Il me dit, oui, chez moi. Je lui dis, mais l'autorisation, où ça va ? Il me dit, monsieur, mon petit père, vous savez, aussi on dit mon petit père. Les ordres de Pierre le Grand, ici, on ne les exécute pas encore. Voilà, le pays est trop grand. Donc, un pays immense et qui a l'obsession de l'incapacité qu'on a de le gouverner. La Sibérie, notamment. Alors maintenant, revenons sur Terre, revenons au passé, pour voir la question propre que Hubert m'a demandé de traiter, c'est-à-dire, y a-t-il changement dans les pratiques de l'Empire entre l'époque tsariste et l'époque communiste, et la suite. Alors, pour voir ça, je vous ai communiqué un census, celui de 1997, où vous verrez la liste des populations qu'il y a dans ce pays. Voilà la liste, vous l'avez à l'écran. Non, on n'a pas l'écran. Vous n'avez pas l'écran. Depuis les Slaves, les Turcs, les Juifs, les Finnois, les Lituaniens, les Latviens, les Germains, les Caucasiens, les Géorgiens, les Arméniens, les Iraniens, les Mongoliens et autres. En Russie proprement dite, il y a plus de non-russes que de russes. Il y en a 55%. L'État, d'une façon, cesse d'être russe. Mais il fait comme s'il l'était. C'est-à-dire qu'on traite tous les gens comme si c'était des Russes, avec ce que ça implique de persécution possible. Je dis possible, mais pas aussi générale que la tradition le dit. Bon, je ne veux pas dire par là que ce qui précédait le goulag, c'était du goulag. Non, c'était
10 fois plus doux. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que les minorités qui sont une majorité numérique ne sont pas traitées comme l'ont fait leurs collègues français, anglais, allemands, italiens ou espagnols. C'est-à-dire que le régime tsariste puise dans les aristocraties des populations vaincues une sorte d'état-major général. Par exemple, il y a beaucoup de Baltes qui commandent les armées. Il y a beaucoup de Tatars ou de Tchétchènes surtout, qui sont également dans les armées ou même dans l'administration du Caucase. Bref, c'est un gouvernement autocratique, autoritaire, qui méprise toutes les libertés démocratiques que vous voulez, bien sûr, ça on est d'accord, mais qui n'a pas du tout la même politique ethniciste, dirions-nous, que les autres puissances coloniales. Et ça rend compte de pas mal de faits. Rappelez-vous, quand Kornilov se soulève contre Kerensky, les troupes musulmanes sont avec lui. Pourquoi ? Parce que dans l'armée règne une relative démocratisation des grades. Il y a des généraux tchétchènes, il y a des généraux, etc., etc., etc. Chez nous, je ne crois pas que j'ai eu beaucoup... Tu connais des généraux arabes dans l'armée française ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, autant le régime est autoritaire, autocratique et tout ce qu'on veut, autant du point de vue des nationalités, il est moins raciste, racial. D'ailleurs, ce n'est pas la race qui compte, c'est la religion. Où on est chrétien, alors, il y a les bons, c'est les orthodoxes, il y a les mauvais, c'est les catholiques et les protestants, il y a les juifs et il y a les musulmans. Alors, de ce côté-là, il y a une hostilité relativement systématique, mais qui est plus grande, contrairement à ce qu'on peut croire, qui est plus grande à l'endroit des autres chrétiens que des juifs et des musulmans. Alors là, je vous choque, je sais, mais tant pis. Et vous remarquez, pour appuyer ce que je viens de dire, que quelles sont les nations à l'intérieur de l'URSS qui se sont le plus révoltées contre l'époque post-stalinienne depuis la Deuxième Guerre mondiale ? Ce sont les Baltes, ce sont les Ukrainiens, ce sont toutes les populations chrétiennes, ce ne sont pas les musulmans. Les musulmans ne se sont soulevés que plus tard. Alors, un peu, mais pas tellement. Ils se sont soulevés parce que la police pouvait procéder de façon qu'on connaît dans d'autres pays en Occident, mais pas tellement. L'Empire, comme vous le savez, n'a pas éclaté, comme ça a été dit. Il a implosé, et ensuite il a éclaté. Donc, ce que je viens de vous dire rend compte du fait que même les territoires extérieurs, à part le Tadjikistan, se sont moins révoltés contre la puissance russe ou soviétique de 1920 à la perestroïka que ne se sont révoltées les républiques chrétiennes. Ça, c'est un fait qu'il faut aussi identifier. Donc, l'autocratie règne avec les élites. Et les élites, pour le tsarisme, c'est l'excellence de l'extraction. Ce n'est pas les gens les plus instruits, non. C'est les gens qui sont d'une hérédité chez les Mongols ou chez les Tatars ou ailleurs, et dont le sang est en quelque sorte signe d'un virtuel mérite. Et la cour du tsar est entourée de ces personnages. Et ils sont appréciés que s'ils abandonnent quelque peu quelques-unes de leurs mœurs, s'ils s'occidentalisent. Mais en restant ce qu'ils sont. C'est ça qui fait la différence avec ce qu'on croit. Autre chose, si on est diplômé, on peut monter, même les juifs. Alors, les juifs, tout le monde sait qu'ils sont depuis Alexandre III, 1881, et même avant, mais surtout cette date-là, confiné dans un PAL, PAL, qui est une zone réservée en Ukraine et un peu en Russie. Mais comme je vous l'ai dit, si vous l'avez entendu, s'ils sont très instruits et très riches, ils ont le droit d'entrer dans la maison. Et vous n'êtes peut-être pas assez observé, et moi j'ai mis du temps à le voir, que après tout, les juifs sont persécutés en Ukraine, oui, ça... C'est sûr, on va y revenir. Plus qu'en Pologne. Je dis ça parce qu'il y a
une échelle de Richter des persécutions, n'est-ce pas ? Les Ukrainiens ont plus persécuté les Juifs que les Polonais. La preuve, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, si les Polonais ont commis des massacres en présence des Allemands, mais sans les Allemands, on sait ça, il y a eu des livres là-dessus, les Polonais, il y en a eu beaucoup, qui à Varsovie ou ailleurs, ont essayé de sauver des Juifs. Pas les Ukrainiens en Ukraine. Au contraire, ils étaient la police allemande. Donc, dans la hiérarchie, les Ukrainiens sont plus antisémites que les Russes. Mais si je vous le dis, c'est pour vous dire que les Polonais, pardon. Si je vous le dis, c'est pour vous dire que les Russes, eux, ont fait des exceptions et que si on regarde les choses de près, on s'aperçoit que tous nos grands révolutionnaires, une grande majorité parmi eux, étaient juifs. Alors, ils avaient pu quand même s'en aller en Suisse, au Canada, en France, en Espagne, un peu partout. Ils ont pu survivre. Je ne vous fais pas le catalogue, parce que les antisémites l'ont fait avant moi, mais dans mon livre sur la Révolution, vous trouverez les statistiques. Il y avait beaucoup de juifs parmi les révolutionnaires bolcheviques et mencheviques, bien sûr. Mais ça veut dire qu'ils étaient là. Tandis qu'en Ukraine, ils étaient pauvres. C'est un peu différent, quand même. Oui, c'est ça que je veux dire. La Russie était moins antisémite que... Alors, la Russie a pratiqué, puisqu'on parle des juifs, et que je parlais de la Sibérie, vous m'excusez, je saute. Il faut quand même dire un mot de quel était le sort des juifs avant le tsarisme et même au début du communisme. Avant le tsarisme, à l'époque du tsarisme, c'était donc le PAL, la possibilité d'émigrer et un antisémitisme monarchique au maximum. Nicolas II croyait que tous les révolutionnaires étaient juifs. Ou à l'inverse, que tous les juifs étaient révolutionnaires. Donc, ils avaient des idées folles qui ont un peu survécu avec tout ce que vous savez sur les protocoles des sages, etc. Toute la famille impériale, toute la cour, toute la haute aristocratie russe avait ces idées-là. Mais on pouvait percer à droite à gauche. C'est pas ? On pouvait percer à droite à gauche. Et à l'époque soviétique, ça a changé judiciairement. Mais humainement, car ce qui compte souvent, c'est plus l'humain que le juridique. Quel était le sort des juifs à l'époque stalinienne et post-stalinienne? Ils jugeaient qu'ils étaient persécutés, et c'est vrai, puisque les synagogues étaient fermées, comme les 9/10 des mosquées, comme un certain nombre d'églises. Ça, c'est vrai. Ils ne pouvaient pas accéder officiellement à des hautes fonctions, c'est vrai aussi. Et à l'époque soviétique? À l'époque soviétique, ça a un peu changé, puisque d'abord ils sont entrés dans l'appareil d'État bolchevique, et ensuite ils ont eu toutes sortes de postes. Le maximum de présence des juifs dans l'appareil d'État, c'est 1920. Puis après, ça se baisse. Staline était un peu antisémite, mais je dirais comme tout le monde, ni plus ni moins. Un peu plus comme géorgien, mais pas tellement. Mais concrètement, comment ça se passe ? Alors, il se trouve que quand j'ai été à Leningrad, j'avais un collègue, un copain, qui était historien de la Révolution comme moi, on s'est connus comme ça, et un beau jour, j'observe qu'il est nommé doyen de l'université, département de sociologie, en département de sociologie. Et vu ce que je savais, comme vous, sur l'antisémitisme du régime, même si officiellement le régime ne l'était pas, j'étais surpris qu'il ait pu monter comme ça. Il me dit, oui, mais tu sais, c'est plus ancien qu'on croit, parce que en URSS règne la double nationalité. C'est-à-dire que je peux choisir ma nationalité, mon père peut choisir ma nationalité, mon père a choisi ma nationalité. Quand il a été me déclarer, moi enfant, il a été à la mairie et il a dit Shkaratan, prénom, Ivan Davidovitch, nationalité russe. Alors le fonctionnaire dit non, Davidovitch c'est juif. Alors le père dit oui, ça peut être juif à votre point de vue, mais d'après la loi, double nationalité, né en Russie, mon fils a le droit d'être russe. Mais il ne pouvait pas choisir quand il était bébé, donc il était encore juif. Et l'administration ne voulait pas accepter l'application du décret. Mais le père,
qui était un peu juriste, a convaincu, et finalement, Skaratad est bien russe maintenant. Enfin, il a mon âge, à peu près. Oui. Mais je vous raconte comment ça s'est passé, concrètement. Et les 10 fois, 15 fois, 20 fois où j'étais là-bas, j'ai toujours bien vu que l'antisémitisme latent est présent et constant, mais que concrètement, ça n'aboutit pas à des mesures excessives, aux photos non, trop nombreuses. Exemple, à la télévision. Je devais faire un film sur Lénine à la télévision. C'était en 1970, 2 ans après 68. Et à cette période, on pouvait voir les archives russes, soviétiques et tout, ce que j'ai fait. Et à mon premier voyage, le président de la chaîne s'appelait M. Davidian. Et quand je reviens 2 ans après, le président de la chaîne s'appelait, je ne sais plus comment, Soulikov. Il n'y avait plus de Davidian. Alors je dis à Soulikov, oui, notre ami que j'ai rencontré il y a 2 ans, il est malade, on me dit. Alors je dis, écoutez, pas à moi. C'est pas à moi que vous allez dire qu'il est malade. Bien sûr que non, M. Ferro, il n'est pas malade, mais vous comprenez, les Davidiens juifs, les Arméniens, les Géorgiens, nous, on ne supporte plus. Ça, c'est premier exemple. Deuxième exemple, à Paris, il y avait une émission où on présentait un film pendant des années avec un commentaire sur la deuxième chaîne, je ne sais plus qui c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez ça. C'était il y a 20 ans encore, 15 ans, 25 ans. On présentait un film toutes les semaines et il y avait un commentateur qui commentait ça. Voilà. Et on me demande à moi à la télé, on me dit, dis-moi, qui tu peux nous conseiller? Il nous faut un russe et un français. Alors j'ai écouté, comme russe, le meilleur c'est Manfred, il a fait une bonne histoire de France, il connaît bien le français, il parle agréablement, sagement, c'est un bon interlocuteur. Côté français, pour parler de Lénine, écoute, moi je te conseille Brua, parce qu'il a fait un bon bouquin sur Lénine, et puis il parle bien, il est agréable, il n'est pas sectaire, on est en 70. Hein? Bon. Donc, l'émission a lieu, je vois l'émission, et il n'y avait pas de Manfred. Alors je vois mon camarade, je lui dis, Manfred, pourquoi il n'était pas là, Manfred? Parce qu'en ambassade, ils m'ont dit, M. Ferro, pour représenter l'Union soviétique, on ne peut tout de même pas mettre un juif, vous comprenez ça. Et il ajoute à mon ami, qui s'appelait d'un nom espagnol, mais qui était en fait un israélite d'Oran, il lui dit, vous qui êtes français, vous comprenez ce que ça veut dire. Et mon ami français, juif, espagnol d'Oran, a dit, j'ai parfaitement compris. J'ai dit, mais pourquoi c'était pas Brua? C'était Ellenstein. Alors, il me répond, et bien dit, quand je me suis adressé au parti qui avait demandé à avoir un droit de regard sur le choix de l'intervenant, ils m'ont dit, non, c'est plus Brua, maintenant c'est Ellenstein. Aucun parallèle dans ma tête, bien sûr, entre ces deux situations. Alors, sur le census, il n'y a pas que les Juifs. Il y a les Tatars, mais j'en ai déjà parlé, donc j'en parlerai plus maintenant, ça suffit pour aujourd'hui. Mais il y a aussi Arméniens, Géorgiens, Finnois, Polonais, et il faut voir comment ils étaient traités du temps des Tsars. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, et ce qu'on sait quand on a fait un peu des études sur la Russie, c'est que le statut des nationalités en Russie, dans l'Empire des Tsars, était paradoxal. C'est-à-dire que les Polonais, depuis 1815, étaient mieux traités, avaient des droits plus grands que n'avaient les Russes. Alors ça a craqué en 1830, vous vous rappelez qu'il y a eu une révolution en 1830, et où on a dit l'ordre règne à Varsovie, ça a mis fin à ce statut, mais la Pologne avait un statut différent de celui de tous les Russes, n'est-ce pas ? Ce statut s'est peu à peu détérioré et elle est devenue de plus en plus anti-russe et anti-catholique, anti-orthodoxe également. Bien. Mais le cas le plus extraordinaire, c'était la Finlande.
Parce que la Finlande avait une constitution et une sorte de souveraineté intérieure qui était tellement étendue, ça s'appelait la SEIM, S-E-I-M, c'est son parlement. Ce parlement finnois avait une telle autorité qu'on peut dire que la Finlande était pratiquement un pays indépendant, puisque les Russes y étaient considérés comme des étrangers. Alors là, vous imaginez en Algérie que ce soit les Français qui soient considérés comme des étrangers en 1960? Il y a quand même des parallèles désagréables à émettre, même s'ils n'ont aucun sens, comme je viens de le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la façon dont l'Empire russe traitait les nationalités n'était pas du tout celle que pratiquaient les Anglais, les Allemands, les Français, etc., etc. Donc, en Finlande, un Russe était un étranger et traité comme tel. Passeport, papier, tenez-vous bien, obéissez, tralala. Bon, ça s'est arrêté en 1899. Mais ça a quand même duré de 1820 ou presque 99. C'est assez rare. Donc, voilà deux nations qui sont traitées de façon très différente, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les sentiments anti-russes de croître avec la période de russification qui va de 1881 jusqu'à 1917. Et les Pays-Baltes étaient encore plus. Alors les Pays-Baltes, les Géorgiens, étaient dans une situation extraordinaire avant et après. Les Baltes étaient au pouvoir. Ils avaient des généraux partout, etc., etc. Et quand les Allemands entrent dans Riga, ils sont acclamés en 1916. En 1916, les avancées allemandes vont sur la Lettonie et on a les actualités allemandes que j'ai vues, moi, naguère, de l'entrée des Allemands dans Riga, un enthousiasme général. Et puis quand les Russes reviennent en 1940, un enthousiasme général. Alors, il faut regarder les images et on comprend tout de suite ce qui se passe. À Riga, ville avancée, ville développée, ville instruite, ville riche, c'est la bourgeoisie qui accueille les Allemands. En 1940, les Russes se font acclamer dans les campagnes. C'est les paysans qui, eux, sont plutôt pour les Russes parce qu'ils savent qu'il y a des réformes et que les barons allemands ne vont pas toujours tout posséder. En 1941, à nouveau, comme c'est la déception, tout le monde acclame cette fois-ci les Allemands. Lorsque l'occupation allemande a lieu, enfin la conquête allemande a lieu. Et aujourd'hui, les Baltes sont d'abord anti-russes, anti-soviétiques, additionnés plus qu'anti-allemands. Parce que, me disent-ils, je dis me disent-ils parce que j'aime bien causer, nous, les communistes, on les a eu 40 ans, les Allemands, on les a eu 5 ans. Voilà comment raisonnent certains Baltes, assez nombreux, notamment les Lettons, qui sont les plus vifs, si je puis dire, avec les Estoniens. Et alors, si on regarde, pour continuer ce tableau, quelle est la réception que les colonisés, entre guillemets, de l'Union soviétique, quelles relations et quel regard ils ont sur la Russie. Eh bien, il y a eu un très beau livre qui a été fait aux États-Unis il y a une quinzaine d'années et qui nous donne l'idée la plus claire qu'on peut avoir sur les sentiments relatifs que peuvent avoir les Baltes, les Polonais, les Ukrainiens, tous vis-à-vis des Russes à l'époque soviétique vers 1950-60. Mais il n'y a aucune étude équivalente. Comment a procédé ce sociologue? Il a eu une bonne idée. Il faut noter que les sociologues peuvent avoir aussi des bonnes idées. Parce que souvent, ils changent d'idée plutôt, vous voyez, plus vite que les historiens. Beaucoup plus vite que les historiens. Parce que les historiens changent d'idée, mais c'est les Russes, je m'excuse, je parle de la Russie, donc je parle plutôt des Russes, qui l'ont le mieux remarqué. Mon camarade Skaratan, dont je vous parlais tout à l'heure, le premier jour où je l'ai rencontré, il m'a invité à déjeuner, il était avec sa femme, qui était très jolie, très mignonne et très fine. Lui était plus grossier, plus malencontreux, enfin bref. Et il me dit, Marc, parce qu'en Russie on s'appelle par son prénom, il me connaissait depuis 2 jours, Marc, je vais quitter l'histoire. Ah oui, je lui dis, pourquoi tu vas quitter l'histoire? Il me dit, parce que ce n'est pas une science fiable, elle change. Alors lui, en Russie, était bien placé pour savoir que l'histoire change, soit, et qu'on supprime Trotsky, qu'on supprime... Bon, l'histoire change. La sociologie, c'est plus sûr. Et sa femme me dit, Marc, il ne dit que la moitié de la vérité. La sociologie, c'est plus sûr. Ça veut dire qu'il y a plus de sécurité. C'est tout à fait différent. Et
Le fait est qu'avec une analyse des salaires entre 1830 et 1832 en Limousin, il n'y a plus de sécurité qu'à comparer trotskisme ou stalinisme. Pas de doute. Oui. T'es d'accord? Bon. Donc, j'en reviens à mon sujet, et je l'ai oublié, vous voyez, il est parti. Je parlais des juifs, ou je parlais, oui, des juifs? Non, plus des juifs? Aidez-moi. Les Baltes, oui. Ah oui, je voulais faire, je vous parlais de la l'étude qui a été faite qui permet de mesurer les sentiments que les Russes ont vis-à-vis des différentes nationalités. Alors cette enquête a été menée par une Américaine, comme je vous ai dit, d'origine allemande, et elle a voulu faire une étude sociologique. Vous voyez, c'est comme ça que l'idée m'est revenue. Sociologique, c'est-à-dire solide, véritable. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi des critères. Alors, par exemple, quand il y a un ménage mixte, russe et polonais, ou russe et lituanien, ou russe et tatar, etc., et quelle nationalité va choisir l'enfant, puisqu'il est libre de sa nationalité et de le choisir, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon. Un critère. C'est un bon critère. Il faut y penser. Deuxième critère. Dans les pays à double langue, Estonie, Tadjikistan, Caucase, etc., quelle est la part des gens qui parlent russe parmi les indigènes, excusez le mot indigène, et quels sont les gens qui parlent la langue du pays, donc tatar ou tchétchène ou autre chose, en proportion. Deuxième critère. Troisième critère, quels sont parmi les populations assimilées ou intégrées ou annexées, celles qui réussissent à avoir des fonctions élevées à l'époque soviétique dans l'armée et dans la police. Bon critère. Quatrième critère, etc., 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 il y avait 10 critères. Résultat, les deux pays les plus anti-russes et les plus anti-soviétiques en même temps, puisque ça a été fait en 1950 à peu près, c'est d'un côté les Estoniens, le moins de mariage mixte, personne ne peut parler russe, etc., etc., et il n'y a pas de personne élevée dans l'administration, et les Tadjiks, à l'autre bout de l'Empire, c'est-à-dire les seuls musulmans qui soient chiites dans l'État russe de l'époque soviétique. Ce qui est intéressant, parce que ça nous fait comprendre qu'on a trop tendance, nous en France, ou en Angleterre, ou dans le monde occidental, à distinguer le problème national et le problème colonial. Pour nous, Tadjikistan, colonie, Estonie, annexion d'une nation. Ben non. Ça se passe pas, c'est pas aussi simple. La preuve, c'est que ce sont ceux qu'on appelle les colonisés, mais ceux du Tadjikistan, et ceux qu'on appelle un État annexé, l'Estonie, qui sont également les deux les plus anti-russes. Donc il faut cesser de trop distinguer question nationale et question coloniale. Peut-être que les marxistes se sont intéressés à ça, je vais y revenir, parce qu'ils ont voulu poser cette question. Et certains, les colonisés, veulent qu'on les appelle population colonisée, pour bien montrer qu'ils sont victimes, tout en étant une nation. Alors que l'occupant, lui, ou bien ils n'ont pas d'identité nationale, ou bien, eh bien... Ce seront des nationaux ou des colonisés. Ils ne savent plus. Et si je dis « ils ne savent plus » en ne sachant plus, moi non plus, c'est parce que depuis 1820, en Russie, il y a eu un débat là-dessus. Comment faut appeler les Estoniens? La nation estonienne ou la colonie Estonie? Alors l'un dit « c'est la colonie » puisqu'ils nous obéissent. L'autre dit « mais c'est une nation » parce qu'ils ont leur langue. Ça discute, ça discute, ça discute. Et puis un beau jour, c'est arrivé chez les marxistes. Alors là, ça va saigner parce que, en principe, les marxistes, à l'époque du tsarisme d'abord et puis de la suite, les tsaristes, comme vous savez, ils sont hostiles aux méthodes coloniales, mais en gros, ils ne sont pas hostiles à la colonisation. Simplement, ils veulent l'aménager d'une certaine façon. En gros, ils seraient même plutôt hostiles à la colonisation, mais pas au regard du sort des colonisés.
Ils sont hostiles à la colonisation pour autant que la colonisation enrichit la bourgeoisie et par conséquent affaiblit la lutte de la classe ouvrière pour la révolution mondiale, etc. Je parle de l'époque tsariste, hein, jusqu'à l'époque stalinienne. Donc en gros, il y a un seul marxiste authentique qui a été franchement hostile à la colonisation vu le sort des colonisés, c'est un Hollandais qui s'appelait Van, qui peut m'aider, personne, alors je vais vous dire le nom, non, je n'ai pas son nom, pourtant je le connais par cœur, la preuve. Donc il n'y en a qu'un, c'est un Hollandais. Il avait vécu à Batavia longtemps et il jugeait que la colonisation c'était affreux. Et il ajoutait, et je suis sûr que ça vous fera plaisir de l'entendre, que le seul pays qui colonisait de façon humaine, c'était la France. Il faut qu'on l'écoute ça, parce qu'on ne le dit pas souvent, hein. Surtout en France. Mais enfin, il l'a dit, et c'est écrit, et c'est répété. Alors, il disait que c'était à cause du Maroc. Parce qu'au Maroc, on maintenait les institutions locales, c'est-à-dire l'IOT. Donc, il prenait l'exemple, non pas de l'IOT, il ne le disait pas, mais c'était ça que ça veut dire, qu'avec la France qui faisait ça, les autres ne le faisaient pas. Un peu les Anglais aux Indes. Mais ils pillaient tellement, les Anglais, qu'il n'y avait pas de mérite. Alors que nous, on pillait très peu, parce que pour le business, on n'est pas les meilleurs, vous savez. Les Anglais sont meilleurs que nous pour ça. Donc, on ne peut pas se confronter à... Donc, hostilité, pour des raisons qui ne sont pas celles que souhaiteraient les colonisés, leur malheur, leur souffrance, le fait qu'ils sont dominés, que le progrès, ce n'est pas pour eux, que les barrages, ce n'est pas pour eux, que les chemins de fer, ce n'est pas pour eux, que les mines, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour ça que la gauche marxiste ou socialiste critiquait le colonialisme, c'est parce que ça enrichit la bourgeoisie et ça retarde, évidemment, du coup, la révolution mondiale. C'est ça la vraie raison. La raison qu'ils donnaient. Bien. Et ils le sont toujours hostiles, les marxistes, léninistes compris, à l'émancipation des peuples colonisés, même s'ils disent qu'ils le sont en ce qui concerne Lénine, pour affaiblir le tsarisme, n'est-ce pas ? On soutient les colonisés pour affaiblir le tsarisme, pour faire avancer la révolution. C'est jamais pour le sort des populations en question, chez Lénine. Pas du tout. Bon. Mais ils le sont de façon hostile, de façon presque parodique, à la défense des colonisés. Alors, il y a un exemple que j'ai trouvé il y a quelques années et qui est le signe de ce désintérêt du socialisme pour le sort des colonisés. Nous sommes en 1916. En 1916, la gauche européenne à Zimmerwald, à Kiental, a manifesté contre la guerre. Elle souhaite peut-être que la guerre détruise les régimes absolutistes, Lénine par exemple, mais c'est surtout la paix qu'elle veut défendre, car le socialisme avait une branche pacifiste qui était une de ses mamelles, et pas seulement la lutte des classes, etc. etc. Or voilà que la conférence de Zimmerwald a lieu en Suisse, à Zimmerwald, en 1915, la conférence de Kental, qui est la suite, également en Suisse en 1916, et qu'au même moment, il y a une conférence à Lausanne qui s'appelle la Conférence des nationalités. Alors, quelles sont les nationalités qui sont à Lausanne, venues pour souhaiter leur indépendance? Je vous donne la liste, parce qu'il faut quand même la connaître un petit peu, cette liste, n'est-ce pas? Je vais la retrouver. Elle n'est pas très loin, la voilà. Alors, sont venues à Lausanne, sur invitation d'un Suisse qui s'appelait M. Privat, qui était un polonophile, donc qui souhaitait la libération de la Pologne, comme d'autres souhaitent la libération de tel autre pays en Orient, en Occident ou ailleurs. Et ce M. Étienne Privat, donc, avec des fonds secrets français de Clémenceau pour affaiblir, en quelque sorte, le gouvernement de Briand, avec les fonds secrets, etc., etc., avait pu organiser cette conférence, donc à Lausanne, je répète, toujours en 1916. Et vous remarquez que j'attends
avant de vous donner la liste. Parce que c'est une liste qui est quand même savoureuse. Je la donne dans l'ordre où il figure dans le protocole de fin de séance. Des circassiens, c'est-à-dire des gens du Caucase. Des daghestanais, c'est-à-dire des gens du Caucase. Des estoniens, des finnois, des géorgiens, des juifs, des kirghizes, des lituaniens, des polonais, des tatars, des tunisiens, des tchagataïs. Tchagataï, c'était un nom qu'on donnait aux gens d'Asie centrale à l'époque, regroupant un peu les ouzbeks et les tadjiks. Les ukrainiens, les kalmouks. Et que demandent ces braves gens? Ils demandent naturellement l'indépendance. Or, vous avez remarqué, il y en a une bonne partie d'Autriche-Hongrie, et c'est pour ça que Clémenceau avait soutenu, en espérant faire sauter l'Autriche-Hongrie. Mais il y en a surtout de Russie. Et ça, ce n'était pas attendu. Et qui s'est aperçu de ce qui se passait là? Personne. Aucun écho dans les journaux, sauf dans un journal de Montpellier. Un journal de Montpellier où écrivait un monsieur, vous connaissez peut-être, Jacques Bainville. Vous savez l'historien Jacques Bainville. Il écrivait: méfiez-vous, monsieur le ministre, cette conférence des nationalités, c'est un péril, parce que la question nationale et la question coloniale, c'est presque pareil. Regardez, il y a des juifs là-dedans, il y a des ukrainiens là-dedans, il y a des tunisiens là-dedans, méfiez-vous. On ne s'est jamais méfié. Et ce dont on ne s'est pas méfié, surtout, c'est qu'à cette conférence, il n'y avait pas un socialiste. Si, il y en avait un, Tsiliakos, qui était un finnois. Il n'y avait ni Lénine, qui était dans le coin, il était à Zurich. Ni Trotsky, qui passait de temps en temps en Suisse. Ni Martov, chef des sociodémocrates et juifs. Tous ces mondes socialistes méprisaient le mouvement national, qui est contre-révolutionnaire, qui divise la classe ouvrière, qu'il faut combattre à tout prix. Donc, une hostilité aux nationalités qui va plus ou moins se perpétuer, et même au moment de la révolution de février, où ça va exploser. Au moment de la révolution de février, qu'est-ce qu'on voit? Je dis qu'est-ce qu'on voit parce que moi je l'ai vu, pas moi, j'étais pas né, mais les images que j'ai vues de la révolution de février, sur la perspective du ski, ces fameuses manifestations qui vont amener la chute du tsarisme, qui on voit? On voit des soldats. Ils ne demandent pas paix à tout prix encore. Ce sera le 14 mars. Là, on n'est que le 27 février. Mais ils demandent paix sans annexion. Ah, tiens, ça, c'est intéressant. Et puis, il y a des femmes. Des femmes qui ont manifesté dès le 23, avant les hommes. Et puis, il y a des Cosaques. Tiens, des Cosaques qui manifestent. Et puis, il y a des Juifs. Tiens, le Bund, le Parti Socialiste Juif, qui manifeste. Et puis, il y a des Arméniens qui manifestent. Tous ceux qui sont sur la liste. Hein. Ils sont tous là. Et qui n'y a pas? Les ouvriers. Il n'y a pas d'ouvriers qui défilent. Ils ne défilent pas les ouvriers parce qu'ils font grève. Donc, ils bloquent le système, d'un côté. Et d'autre part, s'ils quittent leurs usines, ce sera occupé par l'armée et ils ne pourront pas faire l'autogestion, ce qu'ils vont faire dans 15 jours. Donc, on assiste là à une vision de la révolution un peu différente de la vulgate. Ouvriers, soldats, etc. Soldats, oui. Alors, les ouvriers ont manifesté le 1er mai, oui. Mais au Champ de Mars, pas dans les grandes rues. Toujours pour la raison que je vous ai dite. Et ça, on n'a pas voulu le voir, parce qu'on était prisonniers de la vulgate lénino-trotskiste, il faut le dire. Hein. Moi, je n'ai pas été communiste, je n'ai pas été trotskiste, mais j'ai lu tous ces messieurs. Et ils nous ont mis dedans. En fait, les ouvriers voulaient l'autogestion, gérer leurs usines, pas la nationalisation, pas les kolkhoz dans les campagnes, etc., etc., etc. Hein? Et les manifestants qui sont là, ce ne sont pas les ouvriers. Ce sont toutes les nationalités ou identités refoulées par le programme socialiste qui est toujours l'une des classes, classe ouvrière, vous voyez, le duo. Et c'est là qu'il y a eu, hein, si je puis dire, la première divergence entre la réalité et les programmes. Alors, comme Lénine, Trotsky et autres sont des génies politiques, ils ont pu convaincre
que ce qu'il fallait d'abord, c'était la paix, ensuite le pouvoir des soviets, ensuite ceci, ceci, cela, et faire la révolution, qui était une vraie révolution en octobre, et pas seulement un coup d'État, un petit coup d'État et une grande révolution, ou une petite révolution et un grand coup d'État, ça c'est des débats historiques. Mais le mouvement national, ils l'ont complètement tous ignoré, alors que c'est lui qui était dans les rues. On peut dire que un beau jour, ça va sortir de la bouteille. Alors, ce n'est pas sorti de la bouteille à l'époque stalinienne, parce que Staline, de ce point de vue-là, a été beaucoup plus habile et il n'a pas été criminel comme il l'a été, pour l'essentiel, ailleurs. Alors, je voudrais vous dire quand même les 8 mesures principales qui ont été prises pour changer le régime des nationalités. Et ces 8 mesures, elles ne sont pas loin, elles sont ici, mais je vais vous les donner dans un bon ordre. Alors vous m'excusez, les voilà. La première chose que Staline a faite comme secrétaire général du comité des nationalités, nommé par Lénine, c'est qu'il a russifié les instances chargées du statut des différentes régions de l'URSS. C'est-à-dire que pour décider de la façon dont serait gouverné l'Ouzbékistan, puisque l'Asie centrale a été divisée en 6-7 républiques, comme vous savez, 5-6 républiques, pour décider de comment sera organisé l'Ouzbékistan, il a nommé des Ubiskanais, des Ouzbeks. En plus, le Narkomnats, c'est-à-dire celui qui dirigeait tous les comités chargés de gérer toutes les républiques, il n'y avait pas un russe. Il y avait Staline, oui, qui était russe par adoption, hein, qui était géorgien, ossète, en fait, tout ce que vous voulez. Mais enfin, c'était le seul. Mais il était considéré comme des nationalités, lui. Et le comité, il n'y avait que des nationalités. Deuxièmement, pour calmer les passions identitaires, Staline et le Komnats ont régénéré les cultures nationales. En Arménie notamment, où ils étaient persécutés par les Turcs auparavant, mais il y avait une petite partie arménienne qui était en URSS, chez les Kalmouks, chez les Ouzbeks, partout. Et là-dessus, les gens ont bondi. À peine on les avait autorisés à régénérer les cultures nationales, qu'ils ont exigé de parler la langue nationale. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour Kazan en 86, en 89, mais ça a été vrai en 1919 pour à peu près toutes les républiques. Apprendre en kalmouk, parler en arménien, parler en géorgien, apprendre en estonien, parler en letton, oui, ça a été une explosion des langues. On peut dire que dans le monde socialiste, c'est les langues qui sont un des guides de ce qui peut nous aider à comprendre les réactions des gens, l'utilisation des langues. Alors que dans le monde latino-américain, c'est plutôt les femmes. C'est le comportement des femmes qui donne un équilibre à l'Amérique latine que n'ont pas les autres pays ex-colonisés. Troisième point, une constellation d'identité. Alors ça ne vous dit rien, moi non plus. C'est-à-dire une construction en poupée russe. Vous voyez, des districts, des régions, des territoires, des États en poupée russe, pour mieux contrôler de haut en bas et de bas en haut. Quatrième point, le contraire. Autant les nationalités sont gouvernées par les nationalités, les flics à Kaboul, à Bakou, c'est-à-dire en Azerbaïdjan, sont azéris, les flics à Oran, où j'étais, ils n'étaient pas arabes. C'est ça la différence. Autrement dit, autant en bas, ça va être gouverné par les populations locales, autant en haut, on va monter les nationalités au sommet. Alors, il y en a eu tout un paquet. Mikoyan, arménien, Khrouchtchev, ukrainien, Shevardnadze, géorgien, Mikoyan, arménien ou géorgien, etc. Ça a monté, ça a monté, ça a monté. Vers 1930, on avait l'impression que l'URSS n'était plus conduite par les Russes. D'où le mouvement réactionnaire, identitaire, qu'on va connaître bientôt, et que Helsin a su incarner plus tard, tout en laissant les gens s'en aller pour des raisons tactiques qui ne sont pas du sujet d'aujourd'hui. Bien. Ensuite, statut des doubles nationalités. Ça, je vous en ai déjà parlé. Mais je ne vous ai pas parlé
de ce que Staline a imaginé, le Birobidjan. C'est-à-dire que les Russes, que les Juifs aient un territoire, puisque c'est une nationalité éparpillée. Alors, les Juifs, comme les Arméniens éparpillés, même s'ils avaient un bout de territoire, étaient partisans d'une technique qu'on appelle l'autonomie culturelle extra-territoriale. Je répète, l'autonomie culturelle extra-territoriale. C'est-à-dire que pour autant qu'il y a des Arméniens en Arménie, mais des Arméniens à Bakou, des Arméniens à Moscou, ces Arméniens de Moscou et ces Arméniens d'ailleurs, ils ont droit à la parole. Donc, on leur concocte une assemblée qui aura une autorité culturelle. La langue, la culture, toutes ces défenses-là. Mais l'autorité majeure sera naturellement au pouvoir central, Moscou. Voilà ce que voulaient les Arméniens, voilà ce que voulaient les Juifs, voilà ce que voulaient les populations dispersées, comme les Grecs. Et on leur a accordé une double nationalité. Moi, j'ai rencontré des Grecs en URSS, et quand je leur parlais de ça, ils me disaient « Oui, oui, sur mon passeport, grec, comme Skaratan, russe, vous rappelez ?» Bon. Alors, comme il fallait trouver une solution territorialisée pour les Juifs qui voulaient partir en Palestine, on a imaginé le Birobidjan, c'est-à-dire une région autonome au sein de la Sibérie, qui se trouve à l'extrême orient de la Sibérie. Qu'est-ce que c'est que ce Birobidjan ? Eh bien, j'ai été au Birobidjan, moi. J'étais le premier Français à aller au Birobidjan. J'étais avec des copains. Et ça vaut le détour. Ça vaut le détour parce que quand on arrive à Birobidjan, qui est le nom de la capitale de Birobidjan, j'y étais en 1983, 4, par là, avec des collègues de l'Institut d'études slaves. Quand on est arrivé à Birobidjan, à la gare de Birobidjan, c'est marqué Birobidjan en russe, en hébreu et en yiddish. Bien. On a été reçu officiellement par le président du Soviet de Birobidjan, puisque nous étions les honorables invités qui avions fait des conférences un peu plus loin, à Vladivostok et je ne sais plus où. Donc on nous avait préparé, une réception à la russe, vous savez. On vous promène, on vous dorlote, pas à la française, vous voyez, la russe, il vous dorlote toujours quand il vous invite. Bien. Donc on est dorloté et on nous offre pour nos conférences la visite du Birobidjan. Donc on va au Birobidjan, on y arrive, et à peine arrivé, le secrétaire général du parti, qui était le secrétaire général également du gouvernement, nous fait visiter la synagogue. Il n'y avait personne. Bon, pourquoi pas. Moi, j'ai visité à Moscou plusieurs fois des lieux de conférence où on parlait du marxisme. Il n'y avait personne. Il y a bien des lieux en France où il n'y a personne, même si c'est censé incarner une des valeurs du pays. Donc, à la synagogue, il n'y avait personne. D'équipage jamais vu. Je me demandais, mais où sont les Juifs ? Puisque j'étais au Birobidjan. Je ne les voyais pas. Ils n'étaient pas visibles. Bon, d'abord parce que la plupart, ils étaient ukrainiens. Vous vous rendez compte ? Les Ukrainiens juifs. Et là, ils y étaient. D'ailleurs, ils étaient 30% de la population slave. Enfin, slavo-juive. Et pour le reste, on ne les voyait pas trop. Alors, comme par nature, je suis un petit peu curieux, j'ai essayé de fourrer mon nez là où il ne fallait pas pour voir, j'ai demandé à visiter une usine. Parce que c'est un rite en URSS, en Russie, qu'on vous fait visiter ce qu'il y a de bien. Or, on m'avait dit, il y a une très belle usine à Birobidjan. Donc, avec mes camarades, on va voir une usine. Et des usines, j'en avais vu en Russie. Ben, à cette époque-là, ce n'était pas la gloire. Je passe sur les détails. Mais au Birobidjan, mais je vous assure que ici, cette belle pièce, c'est un local pour indigents, à côté de l'usine de tissu de Birobidjan. C'était du luxe. Et pendaient du plafond des collants. Vous savez, pour les femmes, des collants. Des rouges, des verts, des bleus, des jaunes, de toutes les couleurs. C'était joli. Mais j'étais pourtant en URSS. C'était incroyable.
Et alors, mais qui faisait ça? Alors, on m'a montré les ateliers, il y avait les personnes qui faisaient ça, c'était des Coréennes. Alors, c'est les Coréennes qui faisaient les colons. À la synagogue, il n'y avait pas de juifs. J'essayais de comprendre un petit peu, vous voyez, sans choquer la situation. Bon, alors, ça va venir. Ça va venir. Alors, il y avait de tellement beaux colons que mes collègues et moi, on voulait en prendre pour ma femme, pour ma fille, enfin bon, vous voyez, tout le monde, les colons. Alors, on demande au directeur de l'usine, on lui dit, on voudrait trois paires de colons. On ne peut pas. Ni tout, il n'y a pas. Comment il n'y a pas? Il y en a partout. Export. Il n'avait que le mot export à la bouche. Et le secrétaire du secrétaire du parti qui était avec moi était un peu embarrassé, un peu gêné qu'on refuse à des gens aussi honorables que mes deux collègues et moi, des colons qu'on avait là, en disant « ni tout, il n'y en a pas, c'est export », c'est pas possible. Donc il téléphone à la hiérarchie, parce que c'est très, très hiérarchique l'URSS, hein. C'est très hiérarchique, téléphone, et il obtient le droit que j'aille au magasin, que nous allions au magasin. Alors on nous prend la voiture, on nous emmène au magasin, qui était un autre bout de la ville, et il y avait un magasin, mais alors crasseux, comme toute l'URSS, où il y avait des vieux colons qui pendouillaient, beigeâtres, gris, noirs, ils étaient pendus là depuis 3 ans, à peu près, n'est-ce pas? Et il n'y avait absolument aucun de ceux que j'avais vus là-bas. Alors on entre, et le type nous avait dit, elle en a, mais ils sont derrière. Bon. Alors on entre, et on commence à discuter, on dit, on voudrait deux paires de colons, quelle taille, ni tout, il n'y a pas. Et la dame qui gardait ses colons, qui était une femme qui n'aurait cédé sur rien, toute l'armée allemande aurait pu passer, elle n'aurait pas cédé, elle n'aurait jamais cédé ses colons, n'est-ce pas? Elle ne voulait pas donner les colons. Alors, le secrétaire agacé téléphone au président de la République, de là-bas. Ce n'est pas une grande République, ils sont 2 millions, mais quand même, bon, pour qu'il donne l'ordre de donner à ces messieurs-dames des colons. Alors, au téléphone, ça se passe, et elle, bougonne, elle va derrière pour chercher des colons. Mais alors, pendant que tout ça se passait, les gens derrière, dehors, ils avaient vu qu'il se passait quelque chose. Et il y avait une queue de 14 mètres, puisqu'il y avait des colons pour ceux de la tête, il y en aurait pour ceux de la queue. Et on a eu nos colons. Alors, en sortant, j'ai abordé le problème qui vous intéresse, mais ça vous intéresse aussi quand même de savoir tout ça. Moi, ça m'a intéressé. C'est que j'ai dit, mais alors, quelle est la position des Juifs actuellement ici? Ah, il me dit, monsieur Ferraud, c'est dramatique. C'est dramatique. Regardez, le bureau du district, ce sont des Juifs. Bon. La direction de l'usine, ce sont des Juifs. Les travailleurs, ce sont des Coréens. Moi, je suis pas juif, mais enfin, il y a des gens non-juifs ici. Mais des Juifs, il n'y en a pas tellement. Et ils sont maintenant minoritaires par rapport aux autres. Ukrainiens surtout. Vous voyez ce que ça va donner avec les Ukrainiens. On ramenait des Ukrainiens. En 34, 38, à 50, ils étaient encore là. Bon. Alors, il me dit, pensez, monsieur Ferraud, ils veulent aller en Israël. Ils sont fous. Mais là-bas, ils vont se faire tuer. Ici, ils commandent tout ce qu'ils veulent sans rien faire. Je répète texto. Je suis sûr que c'était ça, les paroles. Et il me dit, alors pour nous, c'est un drame. Parce que vous comprenez, pour que les Juifs puissent continuer à gouverner ce district, il fallait qu'ils soient un minimum de 17%. Or, ils partent tous. Donc, ça va amener la dissolution de notre district. Parce que les Yakoutes et les Tungouzes qui sont là, et qui, eux, n'ont pas de district encore, protestent, ils deviennent antisémites. Tu vois? Donc, on devenait antisémite dans une région où il n'y avait presque plus de Juifs, mais qui s'appelait une République juive. Voilà quelques nouvelles du bureau Bidjan. Encore 2 points, me dit mon censeur. J'ai encore 2 mots. La soviétisation, opérée par, non pas Staline, alors cette fois tous les régimes, depuis 17 jusqu'à maintenant, était une soviétisation.
Je veux dire que le régime fonctionnait avec, un, des soviets, des comités d'usines, il n'y en avait plus, des comités de quartier, il n'y en avait plus, non, mais des soviets, des syndicats, il n'y en avait plus, si, il y en avait, mais ils étaient, bref, avec les vieilles structures qui survivaient et qui étaient un peu des arbres morts. Et comme l'a bien montré Tamara Kondratieva, ce qui comptait là-bas, c'était le régime. Si on était dans l'armée, il y avait un régime spécial. Si on était dans l'usine, il y avait un régime spécial. Si on était en médecine, il y avait un régime spécial. Donc c'est les régimes qui commandaient la société. Ce n'était plus les soviets, les comités, tout ça. Non, bon. Donc c'était une soviétisation qui s'opérait. Mais les nationalités, elles y voyaient une russification. Parce que plus ça allait, et plus on avait éliminé, en haut, les Arméniens, les Juifs, les Géorgiens, et tous. Et à la fin, comme je vous ai raconté à la télé, il n'y avait plus que des Russes. Donc les mesures qui étaient prises dans un esprit soviétique étaient perçues par les nationalités comme un retour à la russification. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, naturellement, chez les Estoniens, chez les Tadjiks, etc. D'où renaît un chauvinisme grand russe que va incarner bientôt Eltsine contre les Géorgiens, contre les Juifs, contre les Arméniens. Je vous en ai parlé, j'en parle plus. Voilà donc les différentes transformations qui ont eu lieu et qui font que, à l'heure de la perestroïka, régnait et continue à régner en Russie un nationalisme grand russe d'une hostilité sans limite, surtout à l'encontre des pays du Sud, géorgiens, arméniens, tadjiks, azéris, etc., etc., même si certaines républiques, notamment l'Ouzbékistan, garde des liens amicaux avec le régime actuel, la Russie, pour autant que déjà c'est dans ce pays qu'il y avait le plus grand nombre de Russes enracinés. C'est la République qui a le mieux intégré le communautarisme double russe indigène, vous voyez, l'Ouzbékistan. Bon, cela dit, aujourd'hui, et je dois terminer là-dessus, c'est promis. Oui. Sur quelque chose que j'ai déjà dit au début, mais ça peut peser maintenant un peu mieux qu'au début, ce que je vais dire, c'est que ce qu'on ne voit pas suffisamment en France, surtout en France, à cause de notre passé anticommuniste ou pro-communiste, anti-trotskiste ou pro-trotskiste, anti-maoïste ou pro-maoïste, ce qu'on ne voit pas suffisamment en France, c'est que pour la direction de l'État soviétique, russe maintenant, l'ennemi numéro un, c'est l'islam. C'est l'islam, non pas à cause des Tchétchènes que le régime actuel a voulu reconquérir et qui est un peu leur problème algérien, où il y a eu toutes sortes d'excès commis dans les années 90 et encore maintenant, à part les Tchétchènes qui, rappelez-vous, sont à l'avant-garde du mouvement islamiste dans le monde. On les retrouve partout, les Tchétchènes, quand il y a des phénomènes que vous connaissez et qui ne sont pas mon sujet. Donc les Tchétchènes sont la nation qui est un peu l'équivalent de ce qu'a été l'Algérie pour nous, c'est vrai, mais pour le reste, monte, si je puis dire, tout autour de l'URSS, la menace de l'encerclement dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, c'est soigneusement caché parce que c'est le point faible du régime et il ne peut pas le dire. Je vous remercie.